Le ministère du Développement rural est parmi les ministères fortement impliqués dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant la réduction de la pauvreté, la promotion du bien-être social des populations rurales et périurbaines. C'est dans ces cadres que le ministère œuvre notamment pour l'approvisionnement des populations vivant en milieu rural en eau potable, la construction d'écoles, des centres de santé, de marchés publics ainsi que la réhabilitation des voies des desserties agricoles. Le ministère du Développement rural travaille également en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage à l'accroissement de la production agropastorale, piscicole et halieutique. Le ministère du Développement rural, tout particulièrement son administration, est largement impliquée dans la réforme de l'administration publique en cours et dans la mise en œuvre de la décentralisation. Ce ministère a connu d'ajout de 3 décrets sous le mandat de Mme Martine Bukassa, ministre honoraire du Développement rural. Pour les nouveaux locataires de ce ministère, Justin Bitakwira, l'heure est à apporter du tonus à ces secteurs. Je considère par exemple le service national d'hydraulique rurale comme étant la régie des eaux des milieux ruraux. Je considère la voie de dessert agricole comme étant l'office des routes rurales. Je considère l'électrification rurale comme étant la SNL pour les milieux ruraux. Je crois que mon ministère de développement rural, ça sera un ministère d'impulsion sociale. Le ministère du Développement rural serait un socle du développement de milieux ruraux pourvu que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que la population s'activent.